Viens là, ouais, viens là. Pas doux, pas doux. On commence à digérer ici. C'est sur YouTube en ligne. Il n'y a pas de. Par contre, on a renoncé à tout ce qui était Zoom et tout ça. Parce que c'était trop de contraintes. Et puis surtout, c'est que ça ne permettait pas d'avoir suffisamment de possibilités. Et puis on n'avait pas de quoi gérer les distances et les choses comme ça. On a préféré. Bonjour, Anne. C'est Mathieu. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc c'est le général de Potier qui commande de l'école de guerre. Qui est sur les jeux sur les questions de rayonnement. Et donc Alexia Graff qui est notre responsable com, Annie Jaffin qui est l'adjointe et les deux analystes. Oui, Aurélie et Julien. Et là vous avez un de mes étudiants de l'Assemblée. Que j'ai déjà au général. Ça mouille. Ça se mérite. Voilà, ça se mérite. Bonne conférence, ça se mérite. BMG a envoyé des polices. Donc c'est pas dû à cause du BMG, pas c'est un peu du GSB. Enfin, c'est. Oui, il a besoin d'une leçon opérative sur ça. Comment arracher ça? Est-ce que la robe d'un. Je suis même pas sûr que ça suffise. Alors attends, on va pouvoir s'installer. Oui.
j'ai commencé. C'est invitable. Il y a plein de trucs passionnants à en tirer. En même temps, il y a une excellente compréhension, mais comment te dire ? Mais il y a un bien, il a des biais. Je sais bien où ils vont venir, évidemment de la guerre. Ah oui. Très bien, les Russes, très bien. Mais je me demande si c'est ça qui explique l'échec. Et en plus, il y a un petit problème méthodologique. C'est qu'il décrète la prégnance de cette idée dans les armées russes aujourd'hui, mais il n'est pas allé voir les autres corpus. Non. Il n'est pas allé voir, si par exemple sur les missileries, il n'y a pas 10 fois plus d'armes. Il est institué, il a voulu illustrer une thèse, et là, ça me gêne. En fait, moi, je mets en avant le livre actuellement parce que le contournement de la littérature, finalement, ce que j'observe aussi en France, bien. On va attendre une minute encore, c'est bien de montrer et puis ensuite, on débutera. Oui, oui. La doctrine Gerasimov. Mais note que le dénonce chez les Russes, mais on pourrait dire la même chose des Américains. Et tu vois bien qu'en réalité, c'est pas la guerre qui compte. Mais il ne cesse de parler ça. Après, il y a des éléments intéressants. Il y a le fait qu'il est allé se confronter aux sources. Oui, non, il a un vrai travail. Je ne conviens pas, mais si tu veux la conclure. En plus, c'est l'éditeur qui est obligé à rajouter un dans son parrain, et il se trouve que là, il y a une articulation qui se sent un peu. Oui, oui, je suis d'accord. Je ne sais pas si c'est plus russe. Le style est très bien. Je ne sais même pas si je peux recommander à mes lecteurs. Mais bouquin important quoi qu'il en soit. Et puis je te dis, il y a beaucoup de choses. Alors. Ouais, c'est parti. Mon général, messieurs et généraux, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, heureux de vous retrouver donc ce soir, malgré les conditions météorologiques un petit peu difficiles, pour nous emporter cette fois vers les terres d'un art à redécouvrir, l'art opératif, en compagnie donc de Benoît Billon et Jean Lopez. Ça me fait très plaisir de vous accueillir, chers amis, je vais vous le dire comme ça, en rappelant un peu qui vous êtes et pourquoi aussi cet ouvrage, sur lequel on va avoir l'occasion de revenir, nous paraît, ici à l'IHEDN, important et s'inscrit dans la droite file de nos débats stratégiques. Je vais commencer, non pas par tout seigneur, tout honneur, mais par un privilège de l'âge, excuse-moi Jean, par Jean Lopez. Jean Lopez, pour moi, c'est l'archétype de ces passeurs d'histoire, c'est-à-dire de ces passionnés qui ont fait des études d'histoire, ont eu une première carrière. Tu as quelques de tes lointains camarades ici, non pas de la marine marchande, mais de la marine tout court, qui sont ici présents. Et surtout, tu es... tu es devenu journaliste et tu as été le rédacteur en chef de Science et Vie Junior avant de te passionner ou de te familiariser, de devenir véritablement le spécialiste français, il faut bien le dire, du conflit germano-soviétique avec lequel et sur lequel tu as écrit plusieurs ouvrages, des témoignages, celui avec l'Ashka Oshkete Mosri sur grandeur et misère de l'armée rouge, mais surtout les derniers que tu as explorés, notamment avec un brillant Kharkov que je recommande dans le cadre de la collection Champ de bataille, sans vous faire de mauvaise publicité, et Kharkov ayant cette résonance avec d'autres champs de bataille,
beaucoup plus finalement contemporain. Benoît, toi aussi tu es historien militaire. Nous nous sommes rencontrés pas très loin d'ici, lorsque nous étions à user nos fonds de guêtre à l'IRSEM, et tu as été, après un passage au CNRS, rédacteur en chef adjoint de DSI, bien connu aussi de notre public, avant de passer dans l'industrie de défense et d'avoir finalement la capacité finalement à mettre ensemble la connaissance théorique et la pratique, notamment dans le cadre industriel. Tu es depuis juillet 2022 le rédacteur en chef du magazine Space International, dont tu as d'ailleurs conduit le lancement il y a quelques mois, et tu as comme thématique privilégiée la géopolitique de manière générale, même si dans le cadre de tes activités en tant que rédacteur en chef, tu travailles essentiellement sur le domaine spatial et les questions de défense et d'armement. Tous les deux, vous venez nous présenter ici un ouvrage qui est essentiel parce qu'il est au mélange ou à la croisée de trois univers. Celui d'abord de la pensée stratégique. Comment, finalement, ce qui n'est ni un échelon, ni véritablement un art, ni une pratique, mais tout cela ensemble, s'est imposé dans la pensée militaire, non seulement occidentale, mais, vous le montrez aussi, de manière beaucoup plus large, dans une façon de transfert culturel entre des cultures militaires qui sont diverses. La deuxième chose, c'est l'importance de redécouvrir justement cette question de la conduite de la guerre à un moment où justement la haute intensité, la guerre en Ukraine, nous invite à repenser les questions de commandement, d'architecture et de fonctionnement de ce même commandement, mais surtout de la manière dont il se lie véritablement aux objectifs politiques et aux réussites ou pas tactiques. Enfin, et je pense que c'est le point qui me paraît aussi essentiel, mais on y reviendra, c'est l'importance de l'histoire pour nous aider à comprendre et à utiliser cette réflexion pour non pas regarder en arrière, mais regarder en avant avec un rétroviseur, c'est-à-dire utiliser cette capacité unique de l'historien, de la profondeur historique, pour nous permettre de réfléchir et de penser le futur. Monsieur le directeur, merci de vous joindre à nous. Voilà, donc sans faire plus de propos, je vous propose de faire, comme à l'habitude, un premier temps de questions et réponses avec Benoît et Jean, avant d'ouvrir le débat avec la salle. Je vais prendre ma place. Et traditionnellement, parce que je crois qu'il est important pour tous de le comprendre, cet ouvrage, d'abord, d'où vient-il? Pourquoi un ouvrage sur l'art opératif? Et pourquoi aussi cette forme particulière d'un dialogue, d'un échange? Jean, finalement, si tu peux commencer par quelle est l'idée qui a germé, et puis Benoît, toi, comment est-ce que tu l'as compris et comment est-ce que tu es rentré dans cet échange? L'occasion a été donnée par la réclusion à laquelle nous avons été condamnés pendant l'épidémie de Covid-19. On avait beaucoup de temps tout à coup, mais on ne pouvait pas se voir. D'où l'idée d'entamer avec Benoît un dialogue par mail, tous les soirs, où je lui adressais une question, il élaborait sa réponse, me l'a envoyée le lendemain matin, je la digérais, éventuellement je la remettais en forme, elle m'amenait à d'autres questions. J'étais en quelque sorte le représentant de tous ceux qui ont envie de connaître cette notion très curieuse que l'on voit traîner un peu partout et qui n'avait jamais reçu de définition très stricte en France, puisqu'on n'a pas accès à l'œuvre de celui qui l'a inventé, Alexandre Zvietchine, penseur russo-soviétique du début du XXe siècle. Donc, une crise sanitaire, beaucoup de temps, l'obligation de le faire sous forme dialoguée à distance, et en ce qui me concerne, un aiguillon cognitif assez puissant qui vient à la fois de mes propres travaux sur l'histoire de l'armée rouge, hein, de sa naissance en 1918
à son remplacement en 1945 par l'armée soviétique. Et un autre aiguillon cognitif, beaucoup plus présent, lié à ma pratique professionnelle et à ma fonction de rédacteur en chef de Guerre et Histoire, qui était le fait que j'ai énormément de questions de lecteurs autour de cette question d'art opératif qui était systématiquement l'objet de contresens multiples. On mélangeait art opératif avec operational art, art opérationnel, on voyait surgir des mots comme opératique. Assez systématiquement, on identifiait art opératif avec art soviétique de la guerre. D'autres fois, je voyais dans les courriers de lecteurs qui sont très abondants l'art des grandes opérations. Je me suis dit, là, on a un véritable bazar conceptuel dans lequel je n'étais moi-même pas véritablement à l'aise. Et y rencontrer sans arrêt au cours de mes lectures à peu près toutes les acceptions du terme. Donc je me suis replongé dans Stratégia, Benoît également, et on a décidé de faire un peu le ménage. Alors ça prend évidemment un aspect un peu déroutant, qui est celui d'un entretien. Là encore une fois, c'est l'occasion qui fait le larron. Si on attendait la thèse de doctorat sur Svietchine, il fallait encore attendre un certain temps. Donc on a voulu en quelque sorte déblayer le terrain et aussi appeler l'édition française éventuellement à se pencher sur une traduction et une édition critique de l'œuvre majeure d'Alexandre Svietchine qui s'appelle Stratégie. Voilà un petit peu les conditions dans lesquelles et les raisons en ce qui me concerne sont nées cet ouvrage. Pour rapidement compléter Jean, effectivement, là, on a eu finalement cette opportunité. Malheureuse du confinement, hein, qui a permis d'avoir le temps de mener ce travail. Moi, c'était un sujet qui m'occupait et me préoccupait depuis déjà pas mal d'années, mais se posait la question de la forme sous laquelle il allait être le plus accessible. Je craignais en fait de commencer à travailler sur ce sujet-là et que ça m'entraîne dans quelque chose d'extrêmement théorique, d'extrêmement aride. Et donc finalement, j'avais besoin d'un sparring partner qui a été Jean. Pour m'aider à travailler cette matière qui peut être assez théorique et assez complexe d'une manière qui allait permettre de le rendre intelligible et accessible au plus grand nombre. Donc c'est à la fois le talent d'intervieweur et de vulgarisateur de Jean avec lequel voilà, je travaille pour Guerre et Histoire depuis déjà pas mal d'années maintenant. Qui a été finalement le bon duo, le bon montage pour arriver à creuser cette question. L'intérêt de on a choisi un plan classique, hein, finalement assez chronologique, très très simplement, qui du coup permet quand même de pas se perdre dans le jeu des questions-réponses. Et puis au final, moi j'ai trouvé que le jeu d'entretien, on s'y est pris, je pense tous les deux, hein, au jeu. Ça a été aussi un vrai plaisir d'écriture et un vrai plaisir de réflexion, de réagir à des questions auxquelles je m'attendais par moment et auxquelles des fois je m'attendais moins. Donc voilà. Alors pour ceux qui connaissent moins, l'ouvrage a cette particularité justement d'essayer de donner une vraie définition. Comme tu le disais, Jean, la question c'est est-ce que c'est un niveau, est-ce que c'est un art, est-ce que c'est la différence entre l'opératif et l'opératique, les opérations dans la profondeur. Tout ça, j'ai envie de dire, et in media stress, comment, quelle définition, et peut-être d'ailleurs pour toi Benoît, donneriez-vous de ce que c'est que l'art opératif? Et puis, finalement, dans un deuxième temps, on y viendra pour parler de celui qui l'a pensé. Mais d'abord, quelle définition donner? Alors, tu définis celui comme un harnachement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, pour introduire la définition et pas vous la livrer brute comme ça, il faut d'abord comprendre comment je suis arrivé à extraire cette définition-là de Svietchine et pourquoi surtout j'ai trouvé qu'il était essentiel de revenir à Stratégie et aux travaux d'Alexandre Svietchine plutôt que de se laisser polluer d'une certaine manière par tout ce qui avait été publié depuis. Je pense que Jean est dans le même cas que moi. On a tous découvert l'art opératif par les travaux des Américains qui ont importé le concept sous le nom d'Operational Art.
qu'on appelle art opérationnel dans le livre pour bien faire la différence, et qui en ont fait un niveau, c'est-à-dire une espèce de strate au sommet de laquelle serait le politique, puis ensuite il y aurait une strate stratégique, une strate opérative, une strate tactique, et puis comme ils se rendaient compte qu'en fait les frontières entre tout ça étaient finalement assez poreuses, ils n'ont cessé de rajouter depuis des strates, des couches au millefeuille, ce qui évidemment d'un point de vue conceptuel n'avait plus tellement de sens en réalité, et à tel point que les débats de ces 10, 15, 20, peut-être même dernières années tournent beaucoup autour de finalement le niveau opératif, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce que ça a encore une utilité. Donc quand on retourne au texte soviétique, on se rend compte que en fait c'est pas tout à fait ça, c'est même pas du tout ça, c'est pas un niveau, c'est en fait c'est un instrument par lequel la stratégie, qui est, pour reprendre, dans une perspective vraiment clausewitzienne, c'est-à-dire l'art d'employer les combats aux fins de la guerre. Donc la stratégie va fixer des buts, et ces buts vont être obtenus par un moyen principal qui est le combat. Donc ça, c'est le domaine de la tactique. Et le problème est que la tactique est censée résoudre un certain nombre de problèmes par le combat, pour permettre d'obtenir le but stratégique. Le souci, c'est que le combat a sa propre logique, et finalement, la stratégie a souvent du mal à orienter les combats dans le sens qu'elle désire. L'art opératif, c'est ni plus ni moins que l'outil, l'instrument par lequel la stratégie va organiser l'activité militaire pour que les combats se mettent au service des buts qu'on poursuit. De façon à ce que les problèmes que l'on cherche à résoudre par la tactique, par le combat, eh bien, soient des problèmes qui fassent avancer ce que Ziyechin appelle la ligne de conduite stratégique, mais j'anticipe un petit peu, c'est-à-dire ce cheminement logique qui vous amène de votre situation de départ jusqu'au but politique que vous voulez vous fixer. Et tout ça en essayant de garder le cap, sachant qu'en face, vous avez toujours un adversaire qui, lui, essaye par tous les moyens de vous en empêcher. Donc c'est ça, l'art opératif, c'est vraiment un art, c'est une discipline par laquelle eh bien, on s'efforce de conduire la guerre dans la direction dans laquelle on veut l'amener, avec bien sûr cette dimension dialectique fondamentale, puisqu'on n'est pas juste en train de dérouler un plan, mais on est dans un environnement qui est extrêmement dynamique, qui est changeant, et puis surtout on a en face de soi un adversaire qui est intelligent et qui lui aussi essaye d'obtenir des buts. Donc voilà, c'est ça l'art opératif. Oui, alors l'art opératif, je l'ai subodoré dans les différents bouquins que j'ai pu consacrer aux grandes opérations de l'armée rouge, en constatant que la rédaction des ordres qui émanait de la Stavka, qui était donc l'état-major personnel de Staline, conseillé par son couple de stratèges Vassilevski et Zhukov, que ces ordres, mais également les ordres de l'échelon en dessous, celui du front, ce qu'on nous appellerait un groupe d'armée, et également l'échelon des armées, avaient tous un air de famille. Non pas qu'ils dérivent d'un système, mais il m'a toujours semblé qu'il y avait une méthode à l'œuvre, en tout cas il y avait un vocabulaire extrêmement spécifique qui était employé par tous les intervenants. Depuis Staline lui-même a fini par l'intégrer totalement, jusqu'au chef d'armée, on voyait qu'il y avait des notions qui revenaient toujours, qui étaient celles notamment de la direction, la notion de direction de l'effort. Or ça me frappait. Évidemment, je n'avais pas encore été en contact de l'œuvre de Ziyechin, donc je ne voyais pas très bien où tout cela nous menait, mais je constatais qu'il existait un vocabulaire qui renvoyait visiblement à une méthode. Et cette méthode, je l'ai découvert après, elle renvoyait à des doctrines très particulières, hein, qui sont les doctrines élaborées sous l'égide du maréchal Tourachevski dans les années 30. Ça n'était pas encore l'art opératif, ça a d'ailleurs été ma première erreur, c'est de confondre les doctrines d'application dans le cadre d'une stratégie donnée, qu'on appelle la doctrine de la bataille dans la profondeur, qui a été théorisée par Triandafilov à la fin des années 20, ou la doctrine ensuite de l'opération dans la profondeur, qui a été théorisée par Isserson et Tourachevski lui-même au milieu des années 30, ça n'était pas encore l'art opératif, ça n'était une traduction particulière dans le cadre d'une stratégie particulière. Évidemment, tout ça, toutes ces pièces qui tombaient un peu au hasard, se sont mises en ordre lorsque j'ai lu la quatrième partie de Strategia, où je me suis rendu compte que l'affiliation a été directe. Après, évidemment, en tant qu'historien, j'ai remonté le fil. Je me suis rendu compte que Ziyechin était professeur à l'Académie Frunze et qu'il a littéralement formaté toute cette génération d'un millier d'officiers généraux de l'armée rouge
qui vont réussir à partir d'une situation catastrophique à redresser le gouvernail et amener leur pays et la coalition alliée à la victoire finale. Donc je suis plus venu par des indices méthodologiques à cette idée qu'il devait y avoir derrière tout ça une pensée suffisamment puissante. Si Benoît a fait du top-down, moi j'ai plus fait du down-top dans l'autre sens. Voilà. Alors, il me paraît important quand même de préciser, justement, vous avez cité une litanie de noms qui ne sont pas forcément familiers à ceux qui ne connaissent pas. Hein, et donc, il me paraît effectivement essentiel de préciser que, vous le rappelez, l'art opératif, c'est d'abord un ouvrage, Strategia, c'est un homme, Zvietchin, et c'est une génération d'officiers dans un contexte particulier qui est l'URSS de la fin de la guerre civile jusqu'au début, mi-temps des années 30, c'est-à-dire avant que la plupart d'entre eux finissent leur palpitante vie ou qu'elle soit particulièrement écourtée. Donc, grosso modo, qui sont ces hommes? Quel est leur parcours intellectuel? Et justement, à quelle doctrine vont-ils donner finalement naissance pour créer cette armée rouge qui s'inscrit aussi dans une continuité ou dans une opposition avec l'idéal qui est défini dans Stratégie. Un mot sur Alexandre Zvietchin, puisque c'est lui qui est au cœur de cet ouvrage et qui est littéralement le père, l'homme qui a enfanté ce concept d'art opératif. Alexandre Zvietchin, c'est un fils de général, hein, un artilleur. Donc c'est un homme qui... Alors artilleur dans l'armée du Tsar, hein, c'est très différent des cavaliers ou des officiers de la garde. C'est un peu les laissés pour compte. C'est ceux qu'on considère un peu comme des intellectuels avec un peu de mépris. C'est ceux qui ne brillent pas beaucoup dans les grandes manœuvres dont le Tsar Nicolas de raffole. Donc c'est un homme qui vient d'une arme savante et qui va avoir une première expérience guerrière durant le grand désastre de l'armée russe en ce début du XXe siècle, qui est la guerre russo-japonaise, qui est un désastre absolument pas anticipé, qui va ébranler de fond en comble le système militaire russe. Et il se trouve que Zvietchin a passé plusieurs mois auprès de Kouropatkine, qui est donc le commandant-chef de ce théâtre d'opération de l'Extrême-Orient, et qu'il va observer de très près ce qui se passe. Il va en tirer un certain nombre de conclusions dans un rapport qui, espère-t-il, va porter un peu les aspirations de toute une génération d'officiers supérieurs qui ont été mortifiés, humiliés par cette défaite, encore une fois, tout à fait inattendue face au Japon. Son rapport est enterré. Il est enterré pour des raisons essentiellement politiques, dans la mesure où il arrive en 1906, à un moment où le tsar Nicolas II reprend la main dans la première révolution russe, et il est jugé de nature déstabilisatrice, et donc il est écarté. C'est en quelque sorte l'aspect réactionnaire de Nicolas II qui l'emporte. On est aux antipodes de l'approche de son grand-père, Alexandre II, qui, lui, à la faveur de la défaite de Crimée, avait poussé assez loin la remise en question militaire. Nicolas II, lui, il ne veut pas entendre parler de modernisation de la pensée militaire, et tout ça est évacué. Il y a donc une espèce de frustration professionnelle énorme qui s'est fait de jour chez Zvietchin. Il voit l'état délabrement de la pensée militaire, de l'outil militaire. Il voit la raclée tout à fait incroyable qui est subie face à un peuple non blanc. Et il constate son influence a changé le cours des choses. Donc ça va mûrir intérieurement. Pendant la Première Guerre mondiale, il va très vite grimper parce que c'est un homme quand même d'une intelligence supérieure, c'est un organisateur remarquable. Il va occuper divers postes à l'état-major. Et à la fin de la guerre, donc en début 17, on le trouve comme chef d'état-major du front du Nord, c'est-à-dire commandant à peu près au tiers des forces, en tant que chef d'état-major, au tiers des forces russes. Donc là, il vit un deuxième désastre, hein, de dimension encore beaucoup plus importante que le premier. Et c'est cette deuxième frustration politique qui l'amène à, de façon tout à fait inattendue, si on considère la sociologie de ses origines, à se rallier au bolchevisme. Il a un premier temps d'état-major au sein de l'armée rouge en 18, mais très vite, étant donné quand même qu'on a affaire à un des 10 officiers de l'armée tsariste les plus capés, les bolcheviks vont le tenir un peu en suspicion, et il va être mis un peu sur une voie de garage, mais qui n'est quand même pas tout à fait une voie de garage,
Parce que même Lénine avait compris à quel point il fallait éduquer cette armée rouge qui découvrait l'art de la guerre par le bas. Et il va faire une carrière académique, hein, à l'Académie Frunze. Il va prendre un certain nombre de chaires. Il va s'occuper de tactique, de stratégie. Et c'est en rédigeant ses cours et en mettant en forme son immense expérience que va naître ce Strategia, qui est édité en 1927 et qui se donne pour but, effectivement, de faire en sorte que la tactique fonctionne, ou les combats, plus exactement, fonctionnent au service de la stratégie. Car il lui est apparu, dès 1905, que c'était à ce niveau, donc à un niveau quand même très supérieur de la guerre, qu'il y avait un hiatus dans le fonctionnement du système militaire tsariste. Il écrit beaucoup. Il lit l'allemand, ce qui est un gros avantage parce qu'évidemment, ça lui a permis, très jeune, on en a quelques traces, de lire Clausewitz à fond. Hein, c'est l'héritier de toute une tradition occidentale de théorie de la guerre. Il est profondément clausewitzien jusqu'au bout des ongles. Il publiera d'ailleurs, je crois que c'est un de ses derniers ouvrages, il y aura plus quelques articles après, une biographie de Clausewitz. Qui a été traduite en allemand, mais pas en français non plus. Et il est victime des tourbillons qui vont saisir l'armée rouge en 37-38, comme son grand opposant Tukhachevski, et il est liquidé, on ne sait pas ni comment, ni où exactement, on ne sait pas ce qui est advenu de ses restes. Il est liquidé donc par le NKVD en 1938. Néanmoins, et contrairement à ce qu'on peut écrire, un certain nombre d'historiens américains, je pense ici à l'honorable David Glantz, cette pensée opérative, cette pensée suicidienne ne va pas disparaître. Elle a, comme je le disais tout à l'heure, profondément influencé toute une génération, toute cette génération que Staline fera générale. Ils sont 987 à recevoir les épaulettes en 1940, parce qu'avant cette date, le titre de le grade de général n'était pas... n'était pas autorisé dans l'armée rouge, on parlait simplement de commandant. Donc, commandant en brigade, commandant. Il y avait le terme de général était banni. Donc il est réintroduit en 40, il y a toute une promotion, 1987. Ce serait intéressant de reprendre un listing complet, mais je pense, comme ça, à vue de nez, hein, très, très grossièrement, qu'au moins les deux tiers de ces gars-là sont passés, ont usé leurs uniformes sur les bancs de l'Académie Frunze et forcément ont été en rapport avec Zhechin ou avec la pléiade d'enseignants, on pense à Varfolomeyev, ou de praticiens comme Triandafilov, dont on parlait tout à l'heure, qui ont à leur tour exercé ces fonctions d'enseignants à l'Académie Frunze. Donc un praticien de la guerre, mais aussi un intellectuel de la guerre qui finit tragiquement, mais qui laisse derrière lui une œuvre considérable qui va rester au cursus de lecture obligatoire des officiers pendant toute la durée de l'Union soviétique. Je crois savoir que c'est encore une des grandes lectures qui est recommandée aujourd'hui, même si elle a été un peu éclipsée par d'autres considérations moins clausewitziennes. On pourra éventuellement avoir un petit échange sur cette question plus tard. On pourra l'évoquer. Ce qu'il faut dire, c'est que Stratégie reste l'ouvrage majeur du corpus, effectivement, de lecture sur le sujet des officiers soviétiques jusqu'en 1962, pour des raisons politiques, parce qu'il s'agit d'affirmer la stratégie de dissuasion de l'Union soviétique. C'est l'ouvrage du maréchal Sokolovski qui le remplace, entre guillemets, au panthéon des lectures obligatoires. Mais Zhechin ne disparaît pas pour autant, hein, il reste aux lectures des officiers. Gerasimov, l'actuel chef d'état-major de l'armée russe, le cite, donc on ne sait pas s'il l'a lu en entier, mais enfin en tout cas, c'est un auteur qui fait partie de l'environnement intellectuel des officiers soviétiques puis russes. Et ukrainiens. Et ukrainiens, oui, parce qu'ils ont tous été formés finalement dans le creuset soviétique. En tout cas, les officiers les plus gradés, bien sûr, des deux camps. Ajoutons-le aussi, comme tu l'as expliqué, c'est un penseur qui n'est pas un penseur isolé, c'est un penseur qui fait école, dans la mesure où ses concepts sont diffusés, sont lus, sont partagés, sont cités,
Et là où on voit que même les purges n'interrompent pas ça, on a l'exemple d'une conférence qui est donnée en 1940, donc au lendemain de la guerre contre la Finlande, par un soldat stalinien dans l'âme qui est Timoshenko, qui parle d'art opératif. Alors même que les doctrines, et c'est là que c'est intéressant, et ça je pense que c'est un des apports, enfin très, très immodestement, mais je pense que c'est un des apports historiographiques du livre, c'est que il y a, dans l'historiographie existante, en général, on confond art opératif et opération dans la profondeur, c'est-à-dire la théorie générale que développe Ziechin, mais où il ne préconise pas des formes imposées, et la traduction qu'elle peut avoir en doctrine, c'est-à-dire la façon dont, par rapport à des buts politiques particuliers, on va développer une façon particulière de concevoir et de conduire les opérations, et c'est très important, et d'organiser les forces en fonction de tout ça. Et donc de les entraîner et de leur fixer alors à la fois une organisation et des équipements et des doctrines tactiques ensuite, et puis aussi cette doctrine de l'opération dans la profondeur va avoir une conséquence désastreuse ou quasiment désastreuse en 1941, qui est une cécité défensive très forte. Mais ça, c'est pas une conséquence de l'art opératif, c'est une conséquence de choix qui sont faits sur la manière de le mettre en œuvre. Et ce distinguo est fondamental parce que sinon, en fait, on ne comprend pas ce qui se joue dans l'URSS des années 30, c'est-à-dire entre cette théorie générale qui n'est pas du tout une théorie soviétique, parce que Ziechin, alors tu parlais d'école occidentale, moi je préfère dire une école de pensée continentale, c'est-à-dire qu'il y aurait un fil qui commencerait finalement avec la figure de Napoléon et qui serait ensuite mise en philosophie d'une certaine manière par Clausewitz et qui percolerait en Europe continentale jusqu'en Russie, où Ziechin va un petit peu parachever Clausewitz en y introduisant d'autres éléments, dont l'art opératif. Donc toute cette école-là a une vraie cohérence, mais elle a une vocation universelle. L'opération dans la profondeur, c'est la façon dont l'armée rouge va s'emparer de cette théorie et en faire une doctrine, c'est-à-dire une théorie appliquée, une application particulière par rapport à des contraintes géographiques, politiques et de moyens. Donc je pense que le distinguo est assez important. Et encore une fois, c'est quelque chose qui avait été un petit peu confondu dans la littérature, notamment chez David Glantz, qui est malgré tout le grand diffuseur hein, de cette pensée dans le monde occidental pour le coup, mais aussi par ceux qui l'ont suivi. C'est à mon avis un point assez ici intéressant. Vous montrez bien le transfert qu'il y a entre l'ouvrage magistral, sa traduction et sa compréhension par finalement déjà ses contemporains, sa mise en œuvre pendant la Grande Guerre patriotique, et puis finalement, parce que vous en touchez déjà un mot, la manière dont il va être découvert, redécouvert, et puis même déjà compris par d'autres. Vous avez cité David Glantz, on pourrait en citer d'autres. Justement, comment s'opère ce transfert culturel et comment va-t-il passer d'une culture militaire particulière, celle finalement de la Russie soviétique, à cet art opérationnel, dash opératif, qui est compris et intégré cette fois par les États-Unis. Comment est-ce qu'on a ce transfert et comment s'opère ce hiatus, comment s'opère cette finalement mauvaise compréhension? À quel moment finalement le train a déraillé? S'il a déraillé. D'abord, je vais répondre franchement. Je pense qu'il a clairement déraillé chez les Américains pour des raisons qui tiennent à au fait que justement quand ils vont redécouvrir en réalité ce corpus soviétique qu'ils ne connaissent pas dans les années 70 et 80. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que tout le début de la guerre froide, hein, pour caricaturer, de 45 à 75, se passe avec une ignorance à peu près totale des théories militaires qui ont été élaborées dans l'URSS des années 20 et 30. Ce que les Occidentaux connaissent, parce que c'est diffusé, c'est Sokolovski, et puis ce qui en est, et puis je dirais ce sur quoi le gouvernement soviétique a bien envie de communiquer. Mais alors que la littérature existe et qu'elle est accessible,
En fait, très peu sont ceux qui vont se confronter aux écrits des années 20 et 30. Il y a l'immense historien John Erickson, dans sa grande histoire du conflit germano-soviétique, parle dans un tout petit passage de la notion d'un art opératif qui ne sait pas très bien. Il dit c'est une espèce de truc qu'ils auraient, c'est un outil, une sorte de doctrine, mais enfin, en fait, il ne sait pas du tout, il ne sait pas tellement ce que c'est. Et finalement, il en voit pas du tout le rôle tout à fait essentiel dans la façon dont l'armée rouge conçoit ses opérations. Donc ça commence avec déjà une situation d'ignorance. Cette situation d'ignorance, elle rencontre une crise. Une crise qui est une crise américaine, qui est une crise qui se joue en deux temps. La première, c'est la défaite du Vietnam, la défaite au Vietnam de la puissance américaine, qui crée une véritable crise morale, qui se conjugue en plus avec une nécessité de réarticulation à la fois stratégique, puisqu'on décide que c'est à nouveau l'Europe et la défense de l'Europe contre les Soviétiques qui comptent, et puis une crise organique, si je puis dire, institutionnelle, puisqu'on met fin simultanément à la conscription qui existait depuis la Deuxième Guerre mondiale, et il faut basculer sur une armée 100% professionnelle, donc avec aussi toute la question du modèle d'armée qui se pose. Par-dessus arrive un événement qui, à l'époque, fait grand bruit et qui est aussi un traumatisme, parce que là, pour le coup, c'est les armes et la technologie américaine qui semblent être mises en défaut. C'est la guerre du Kippour, en octobre 1973, qui est un événement très important, puisqu'en fait, même si les Israéliens parviennent à redresser la situation militaire qui, au départ, est mal engagée et puis à l'emporter, l'interprétation qu'en font les Américains, c'est qu'au plan tactique au moins, la distraction vietnamienne leur a fait perdre une génération finalement de modernisation de leur outil militaire et qui se retrouvent en risque d'être battus sur le plan tactique par les Soviétiques. Donc ils vont d'abord aller chercher dans une direction qui nous éloigne en fait assez de l'art opératif, ils vont d'abord aller chercher du côté des Allemands les clés pour résoudre ce problème qui se pose à eux. Pourquoi les Allemands ? Eh bien, parce que depuis 1945, les Allemands, ce sont ceux qui ont combattu les Soviétiques, donc en principe, ceux qui savent comment les battre. C'est pas tout à fait le verdict des armes, mais enfin, en tout cas, c'est ceux qui sont censés avoir le retour d'expérience le plus complet sur la façon dont il s'agit de lutter contre les Soviétiques. Et donc, ils vont avoir un premier temps de développement. Alors, tout ça se joue essentiellement dans l'US Army. Ça impliquera également la marine dans un deuxième temps, en moindre mesure l'US Air Force, chaque armée étant aux États-Unis une institution assez autonome et menant ses propres travaux doctrinaux. L'US Army va lancer la chose avec une doctrine qui s'appelle Active Defense, qui est essentiellement une américanisation des concepts de défense allemand des années 43-45, remis au goût du jour de l'âge du missile et de l'hélicoptère et du jet. C'est la Wehrmacht du jet age, mais à la sauce américaine, finalement. Et puis, très vite, les Américains se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas suffisant parce que ça leur impose de gagner toutes les batailles s'ils veulent arriver à l'objectif. Et ils se disent qu'il y a peut-être un moyen de faire autrement. Et en parallèle, ils ont commencé à s'intéresser la pensée militaire soviétique pour se dire, mais eux, quelle est la doctrine contre laquelle on lutte? Et c'est à cette occasion qu'ils découvrent un objet qui s'appelle l'art opératif. Le problème, c'est qu'ils vont simultanément découvrir la théorie générale, l'art opératif, selon Ziechin, et la doctrine de l'opération dans la profondeur. Et ils ne vont pas faire la différence entre les deux, tout simplement parce que conceptuellement, philosophiquement, si je puis dire, l'armée américaine ne sait pas faire la différence entre les deux. On est sur une armée de praticiens d'abord, donc en fait, eux, ils voient la mise en œuvre, ils ne vont pas forcément aller chercher la théorie générale qu'il y a derrière. Et ça, c'est très lié à cette tradition empiriste et pragmatique de la société américaine au sens large. Et c'est un élément qui est fondamental. C'est une armée est toujours aussi le reflet de sa société. Et en tout cas, pour parler en marxiste, des classes sociales qui la composent. C'est-à-dire, de la même manière que Ziechin lit l'allemand, lit les auteurs français du 19e, parce que c'est un officier aristocratique d'une armée aristocratique qui se veut faisant partie d'une république des lettres militaires, si on veut,
Les Américains sont des gens qui sont issus d'une société plutôt pragmatique, empiriste, d'entrepreneurs et pas forcément de théoriciens. Théoriciens, pendant la deuxième partie du XXe siècle, c'est essentiellement des gens qu'on a importés des universités d'Europe centrale, beaucoup de l'ancien monde austro-hongrois. Il suffit de regarder beaucoup des grands universitaires. Ils vont le découvrir dans ces conditions-là. Et après, il va falloir qu'ils le marient à une culture politique, à une culture stratégique qui est bien particulière et qui n'est pas clausewitzienne. Alors que le fil, finalement, de Ziechin est parti de Clausewitz. Et notamment, dans la culture stratégique américaine, la guerre n'est pas tant la continuation de la politique par d'autres moyens, mais une suspension de la politique le temps qu'on vide la querelle, suite à laquelle le politique reprend la main. Et donc, c'est un espèce de domaine à part. Et c'est comme ça qu'ils vont comprendre l'art opérationnel, et puis ensuite le niveau opérationnel, c'est-à-dire ce niveau opérationnel serait finalement le domaine réservé du militaire. Et là, c'est le traumatisme, le premier que j'ai cité, le Vietnam, où l'entrisme, notamment de la Maison-Blanche, dans la planification des opérations, avait été très mal vécu par les militaires américains. Et donc, ils essayent de se recréer un domaine réservé pendant lequel on fait la guerre, on suspend la politique, et la politique se déroule en dehors de la sphère des opérations. C'est évidemment complètement le contraire que ce que dit Ziechin, qui dit que justement le problème vient que le lien n'est pas assez fort entre les deux, mais c'est le produit d'une culture politique particulière. Donc voilà pourquoi, pour anticiper et répondre à la question qu'on pose dans le dernier chapitre du livre, je ne pense pas que l'art opératif soit pleinement passé à l'Ouest. Ce qui est passé à l'Ouest, c'est une interprétation déformée du concept original. D'où l'intérêt de le redécouvrir aujourd'hui, parce qu'il a une richesse qui s'applique complètement au monde occidental, mais encore faut-il le comprendre correctement. Alors justement, ça me permet de faire une bonne transition que tu m'offres. Qu'en est-il donc des autres domaines ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est très terreau-centré, tout ça, ou que ça pourrait être lié à uniquement un aspect simplement opérationnel. Tu as cité pourtant la question des moyens, la question de la technologie, la question finalement de ces outils qui permettent finalement, en étant totalement incrémentés, d'obtenir un effet. Alors, qu'en est-il ? Comment parler d'art opératif dans la totalité de ces nouveaux champs ? Est-ce que l'on pourrait parler aujourd'hui d'art opératif à l'heure du multidomaine ? Qu'en est-il ? Et puis finalement, la question de la technologie, la question des moyens paraît aussi essentielle. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est bien d'avoir la pensée, mais les outils, les hommes, la formation, comment est-ce que tout cela s'articule ? Peut-être tu veux répondre sur l'histoire soviétique ou... Alors, d'abord, l'art opératif, c'est pas une théorie hors sol. C'est même une théorie qui est effectivement issue d'une puissance très continentale. Donc, c'est vrai que dans la façon dont c'est appréhendé et abordé, c'est d'abord, et même la façon dont l'opération dans la profondeur est conçue ensuite comme doctrine, toutes ces applications-là sont très terreau-centrées, si on veut. Pour autant, l'ensemble de la théorie générale, la première, celle de Ziechin, s'applique indifféremment, finalement, du domaine dans lequel qui a la primeur. On peut raisonner une guerre aéromaritime dans le Pacifique avec l'art opératif, aussi bien qu'une guerre continentale en Europe. Demain, une guerre qui se déroulerait simultanément des fonds sous-marins à l'espace, l'outil conceptuel le permet. Après, ce qui va changer, c'est plutôt la deuxième partie, c'est-à-dire la doctrine de mise en œuvre. C'est par rapport aux moyens existants. Et quand je dis les moyens existants, c'est à la fois les moyens militaires, mais aussi ce que j'appelle les infrastructures, la cartographie du théâtre des opérations. Cartographie qui est à la fois physique, qui est humaine et qui est aussi technologique. On parle aujourd'hui d'autoroutes de l'information, mais ces autoroutes-là, elles se matérialisent dans l'espace. Il y a les câbles sous-marins, il y a été question de gazoducs il y a quelque temps. Voilà, tout ça, c'est des infrastructures qui donc se prêtent à une compréhension sous l'angle de l'art opératif. C'est-à-dire, par rapport à ça, comment moi je dispose mes moyens, je déploie mes moyens et je les emploie pour quelle finalité politique ?
Donc finalement, la question du domaine est une question qui est, du point de vue de l'art opératif, qui n'est pas la question centrale. La question centrale, c'est vraiment quels sont les buts. Et c'est à partir des buts qu'on va articuler les domaines les uns avec les autres. Et il ne faudrait surtout pas faire l'autre grande erreur qui est faite sur l'art opératif, ce qui serait l'art opératif, c'est empiler et coordonner des actions tactiques. Non, ça, c'est le faire dans le mauvais sens. C'est dans l'autre sens que ça doit se passer pour que, pour qu'on arrive à employer les combats favorablement à la guerre, ce qui est toujours le leitmotiv. Donc voilà le... Alors cependant, il existait une opérative Luftkrieg. Oui. C'est un mot qu'utilisaient les Allemands. Le mot Operieren, Operation, ça c'est quelque chose que les militaires allemands utilisent depuis très longtemps, mais pas l'art opératif évidemment, mais ils avaient développé une notion dans les années 20, ils avaient tiré les conséquences de la guerre aérienne en 14-18, et ils avaient appelé, en tout cas un certain nombre de règlements qui devaient indiquer aux militaires comment se comporter lors du prochain grand conflit. Il l'avait appelé opération, menée opérationnelle de la guerre. Ça n'est pas de l'art opératif. Hein. C'est, au fond, c'est cette idée que la marine aérienne doit être totalement autonome et qu'elle doit explorer tous les champs d'action au départ, en tout cas sans confrontation possible ni avec la marine ni avec l'armée de terre. Donc ils sont partis d'une espèce de déblayage en disant qu'est-ce que nous, armes aériennes, pouvons faire par nos propres moyens qui puissent aider à gagner l'ensemble de la guerre. Mais aider à gagner, pas. Ils n'ont jamais, les Allemands n'ont jamais été douétistes, ils n'ont jamais pensé qu'il suffisait de la guerre de bombardement stratégique pour gagner une guerre. Mais cependant, ils ont utilisé ce terme d'opératif. Hein. On le trouve très régulièrement chez eux, mais encore ça a un rapport très très lointain avec notre art opératif. Ne serait-ce que parce que, et on cite d'ailleurs un exemple dans le livre, quand la compréhension qu'ont dans les Allemands, le rôle de l'opération est de préparer le combat, préparer la bataille. C'est la bataille qui ensuite produit le résultat politique. C'est-à-dire que finalement, au lieu que ce soit la stratégie qui conçoit l'opération et ensuite articule la tactique pour parvenir au but, c'est l'opération qui prépare la bataille, d'où découle l'obtention du but stratégique. Donc on n'est pas du tout dans la même compréhension de ce qu'est l'opération. Cette notion, juste un mot, cette notion de but de l'opération est absolument fondamentale parce que c'est sur elle que va s'accrocher véritablement la pierre de touche qui permet de savoir si on a affaire à de l'opératif ou pas. Là, je suis en train de relire le manuscrit d'un ouvrage qui paraîtra aux éditions Perrin et qui est dû à Pierre Jardin, un éminent germaniste, qui se préoccupe d'analyser très en détail la dernière grande offensive, série d'offensives lancée par Ludendorff en 1918, ce qu'on appelait la Kaiserschlacht, la bataille de l'empereur, ou le Friedenssturm, l'assaut pour la paix, cette espèce de dernier coup de collier que l'armée allemande, déjà bien fatiguée, a donné pour essayer d'obtenir un résultat qui ne soit pas trop défavorable dans cette guerre. Et Jardin est allé sortir, il a exhumé des archives de Fribourg un certain nombre de compte-rendus, de discussions tout à fait extraordinaires, passionnants, qui, à mon avis, n'ont jamais été exploités, en tout cas en français, où Ludendorff essaye d'expliquer ce qu'il veut faire du point de vue opérationnel, assez subordonné, notamment à l'état-major de l'armée de von Rupprecht. Et il leur dit, à la question « Mais où faut-il attaquer ?», qui est quand même une question d'une certaine importance, il répond, il dit « Il faut attaquer à plusieurs endroits, et là où ça cède, là où vous sentez que ça plie, c'est là qu'il faut mettre le paquet. Et après ? Eh bien, après, on verra. » Von Bülow, notamment, lui dit « Mais attendez, j'ai du mal à comprendre votre raisonnement. Ne pensez-vous pas, vu la modestie de nos moyens, parce que là, les Allemands sont quand même un peu au bout du rouleau, ils ont rassemblé tout ce qu'ils ont raclé les fonds de tiroir, ils ont fait un magnifique effort de mise en question de la tactique qui va donner les Sturmtruppen. Cet outil, on ne peut pas le gâcher en attaquant un peu partout. Et après, il n'y aura plus de force, il restera plus suffisamment de... » Il me dit, et il a cette phrase étonnante, il dit « Mais moi, pour construire mon opération, Herbert Quartiermeister, j'ai besoin d'un but. Est-ce que vous ne pensez pas que ce but pourrait être Amiens ?»« Amiens ?
Varum, Amiens. Eh bien, Amiens, c'est le quartier général des forces britanniques. C'est là que se trouvent les grands dépôts britanniques. De Amiens à la mer, il nous reste 90 km. On couperait complètement l'armée britannique de l'armée française. Ça me semble vouloir le coup de tout axer sur Amiens. Et Ludendorff ne veut rien savoir parce qu'il dit « Mais les Anglais le savent bien, c'est là qu'ils sont forts, on va essayer de passer par ailleurs. » Il faut trouver un petit trou de souris. Ce trou de souris, comme à Sedan, sauf que Sedan, c'était un point d'articulation majeur, c'était pas quelque chose qu'ils avaient cherché au hasard. Ça, c'est un peu une confusion qu'on fait de façon très générale. C'est pas par hasard qu'on a des Allemands attaqués à Sedan. Et Amiens, donc ce Bülow proposait que Amiens soit le but de l'opération. Et à partir de ce but, il demandait un échelonnement des forces. Il utilise le mot échelonnerie, un truc horrible, un barbarisme. Il demande un échelonnement des forces de façon à ce que la première vague fasse le trou et qu'ensuite on puisse exploiter. En ne démordant pas de cette idée que c'était à Amiens qu'il fallait aller et nulle part ailleurs. En fait, la suite, donc, c'est Ludendorff évidemment qui a eu le dernier mot. La suite, c'est un véritable désastre parce que les Allemands ont attaqué à plusieurs endroits et leurs attaques sont totalement décousues. Ils ont des succès tactiques, ils font des trous, mais leur puissance se dissipe très rapidement parce qu'elle n'est pas canalisée vers un objectif. Donc, et comme elle est complètement dispersée, il manque le deuxième élément de l'opération selon Zvechine, qui est celui d'entretenir dans la profondeur et dans la durée l'opération. Pour ça, ça demande un échelonnage. Donc ça veut quand même dire que déjà à cette époque, et même dans l'armée allemande, de façon très empirique, un certain nombre d'officiers généraux avaient compris qu'une opération a absolument besoin d'être aimantée vers un but, qu'elle doit être échelonnée dans la profondeur et qu'elle doit se proposer un certain nombre de missions tactiques pour y parvenir. Mais qu'en permanence, il faudra rappeler aux chefs des armées qu'il y a un objectif et un seul après lequel courir, c'est Amiens. C'est pas Arras, c'est pas la vallée de la Somme, c'est Amiens. J'ai trouvé ça tout à fait étonnant parce que ça prouve quand même que déjà, peut-être, tout était là pour potentiellement avoir une pratique opérative. Oui, bah tout était. Enfin, c'est souvent comme ça. Les conditions qui font que ça va, c'est ce qui a été pressenti de manière empirique va être théorisé quelque part et pas ailleurs. Ça tient aussi parfois simplement au génie d'un individu qui va être capable de. C'est de la même manière que c'est Clausewitz, un Prussien qui a finalement compris le modèle napoléonien. C'est Zvechine, un Russe, qui va avoir tiré les conséquences d'un conflit qui impliquait bien davantage. Donc c'est dans les deux cas, deux perdants. Clausewitz qui a vécu. Oui, mais c'est peut-être pas anodin. Clausewitz qui a vécu Iéna, donc cette déroute incroyable de la plus belle armée d'Europe, celle de la Prusse, et Zvechine qui vit Mukden, cet incroyable échec, et l'effondrement de 1917, alors qu'au moins à Mukden, les Russes étaient en supériorité numérique. Donc là, c'est vraiment la défaite en modeste, et c'est ce qui a amené ces hommes à faire une théorie générale de la guerre, une théorie générale de la guerre complétée par théorie opérative. Juste un mot pour revenir à la question sur les domaines et à la mise en œuvre et puis aussi à ce qui pourrait être une mise en œuvre plus contemporaine. En fait, cette question du but, elle est vraiment essentielle parce que je parlais tout à l'heure un peu d'incarnation dans la géographie, mais c'est ce qui va relier les différents domaines après que le but soit obtenu par un côté ou par un autre. Finalement, ça dépend et de la configuration géographique du théâtre et de la performance des moyens. On le voit bien en termes de ciblage, par exemple, dans un contexte contemporain. Parfois, ça sera un missile tiré d'un avion. Parfois, ça sera un missile tiré d'une batterie au sol. Parfois, ça sera un missile tiré d'un navire ou d'un sous-marin. Depuis l'espace. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir plusieurs chemins qui amènent au but et qui vont dépendre et des moyens qu'on se dispose et de l'endroit où on se situe dans l'espace.
et d'un certain nombre d'opportunités. Donc la barrière des domaines, qui est aussi un héritage institutionnel de la Seconde Guerre mondiale, parce que les généraux passaient leur temps à se battre entre aviateurs, marins et terriens, à savoir qui allait être prioritaire. On a mis en place des structures institutionnelles et bureaucratiques, finalement, pour conduire la guerre. En fait, d'un point de vue théorique, ça n'a aucun sens. Je vous propose, dans ce cas-là, qu'on passe au temps d'échange avec la salle. Nous avons à peu près une demi-heure d'échange, en général. Oui. Et est-ce qu'il avait lu, ou est-ce qu'on a des traces qu'il ait lu Foch ? Parce que j'ai sous les yeux là une citation de l'ouvrage de Foch, pas les principes, mais la conduite de la guerre d'ailleurs. Oui. Finalement, il y a une certaine parentalité, c'est pas un hasard. Et il dit, je vous cite cette phrase : toute la guerre consiste-t-elle en cette conduite des troupes allant à la bataille et employées dans la bataille, ce qui va sans doute y démonter en réalité, ou y a-t-il en plus une théorie de la guerre nous disant où finit la lutte et par quelle direction la conduite des troupes que nous connaissons nous y mène, sur quelle route cette stratégie qui vise la bataille doit la chercher, et de même d'une seconde et d'une troisième bataille, puis la direction de ces batailles ainsi trouvées, comment il faut les préparer pour atteindre le but de la guerre. Citation donc, je l'ai relu après, mais pas pour une autre raison. Et du coup, je me suis dit, mais alors, finalement, l'idée est là. Oui, tu veux. Alors, non, juste simplement que pour vous dire que c'est la décennie glorieuse de la pensée militaire soviétique, c'est 1920-1930. Ils ont traduit à tir l'arigot. Je sais que Foch a été traduit. Ils ont vraiment traduit. Il y avait une sous-section de l'état-major général qui s'occupait de l'acquisition étrangère. Hein, on se fichait pas mal des droits, d'ailleurs. Ça. Et ils ont traduit, mais vraiment très largement. Ils ont même traduit des choses du chinois. C'est dire si vraiment il y a une... Donc, oui, certainement, je pense que Zhuyechin, qui a beaucoup écrit, a lu Foch. Maintenant, là, je vais laisser la parole à Benoît, parce que ça fait quand même allusion aussi un peu à la bataille conduite, mais au-delà de la bataille conduite, il sent quand même que Foch ait compris qu'il y avait une sorte de chapelet, de ligne de conduite stratégique qui devait mener vers le but de la guerre. Je ne connaissais pas cette citation, merci en général, elle est tout à fait éclairante, mais je pense que malgré tout, le nom de Foch reste associé à la bataille conduite, et que la bataille conduite, c'est précisément pas de la repérative. Alors, je dirais qu'il y a deux temps, parce que j'ai plus la date exacte de parution de la conduite de la guerre. 1904. C'est ça. C'est avant la Première Guerre mondiale. Je pense qu'il aurait été intéressant de reposer la même, enfin que Foch en 1919 réponde à la question de Foch en 1904. Ça aurait sans doute été assez éclairant. Ce que m'évoque cette citation, c'est finalement un questionnement qu'on trouve aussi en Allemagne chez Moltke, par exemple, après la guerre de 1870, quand à un moment il s'est retrouvé confronté à cette situation dont on parle dans le livre d'ailleurs, on a battu le Second Empire, mais finalement en fait la guerre continue, on n'a pas battu la France. On voit bien qu'elle ne peut pas gagner, mais en même temps, elle refuse de cesser les hostilités. Et du coup, se pose la question, effectivement, de comment on passe de la bataille au but dans la guerre. J'ai le sentiment que ce questionnement-là, il est assez répandu. Ce qui va manquer, c'est les conditions intellectuelles qui vont permettre d'apporter la réponse. Alors, il y a un élément supplémentaire chez Zhuyechin,
c'est qu'il va aussi faire la synthèse de ce corpus intellectuel européen avec les apports de la théorie politique du marxisme-léninisme, du marxisme surtout, qui vont lui apporter des clés de compréhension politique. Donc peut-être c'est un élément de réponse. Peut-être c'est un élément de réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il lisait et l'allemand et le français. Donc en fait, il avait c'était un érudit autant qu'un praticien de la guerre. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'aurais une question sur la nature de l'art opératif. Là, j'ai lu un article de Christian Arbulot, donc, qui est le directeur de l'école de guerre économique, où en fait, il opérait une critique de Clausewitz. Vous parlez de Zvetchine qui était profondément clausewitzien. Est-ce que l'art opératif, en tout cas tel qu'il pourrait évoluer, peut inclure des notions qui ne sont pas exclusivement militaires dans la façon d'obtenir une supériorité stratégique ? On voit aujourd'hui sur les questions, enfin, il y a les questions militaires, mais économiques, informationnelles. Enfin, est-ce que l'art opératif tel qu'il est aujourd'hui reste extrêmement centré sur une supériorité militaire ou il pense dans sa globalité tous les aspects pour un pays de... la façon pour un État de l'emporter sur un autre. Nous voilà au cœur. Oui, on est au cœur. Parce qu'en discussion, je signale en passant l'ouvrage d'un auteur que je ne connais pas, mais qui s'appelle Vladimir Minik. Dimitri Minik, qui vient de publier un bouquin aux éditions des sciences de l'homme. Maison des sciences de l'homme. Absolument. Qui est tiré de sa thèse. Sur la pensée stratégique russe. Et sa thèse, c'est que l'échec russe en Ukraine, peut-être est-ce un peu précipité de parler, mais enfin, c'est ainsi qu'il s'exprime, tiendrait au fait que la pensée théorique russe a, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, tenté de contourner la guerre. C'est-à-dire d'obtenir son résultat politique en dehors, sans passer par le combat, ou le combat étant vraiment in articulo mortis de son adversaire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles américains également sur cette notion de est-ce que on peut arriver à ces buts politiques sans guerre. On peut le poser autrement. Est-ce que la guerre, finalement, c'est forcément quelque chose de violent ? Ce qui est arrivé à ces paradoxes, mais j'ai vu plusieurs fois interroger ainsi. C'est pas nouveau, hein, en fait. C'est très vieux comme débat. Cette préoccupation-là, elle va se déployer dans plusieurs temps. D'une certaine manière, le douitisme, c'est-à-dire la théorie du bombardement stratégique, est déjà un petit peu dans cette direction-là. Donc on est dans les années 1920, hein, c'est contemporain de Zvetchine. L'idée, c'est on va pouvoir gagner les guerres en frappant directement les centres de population, qui sont aussi les centres de décision politique et les centres économiques. Alors à l'époque, ça reste par des moyens violents, hein, il s'agit de les bombarder. Mais grâce à l'aviation, ça va permettre de finalement passer le cap du champ de bataille, passer par-dessus les défenses de l'adversaire et s'épargner les tranchées, hein, puisque c'est ça le problème qui se pose. Pour aller frapper directement l'adversaire. Bon, la Seconde Guerre mondiale montrera qu'en fait, et toutes les guerres depuis, que le bombardement est complémentaire des autres activités de combat, mais qui ne permet pas de s'en dispenser. Mais c'est une préoccupation qui va renaître après 1945, préoccupation qui, au passage, est profondément humaine. On essaye d'éviter l'hécatombe et l'épreuve de violence et de force que représente la guerre. Mais avec évidemment l'arme atomique, ça va prendre une autre dimension, parce que là, on est sur une potentielle guerre qui serait complètement apocalyptique. Et on va voir apparaître, pendant la guerre froide, l'idée qu'on va gagner la guerre grâce à la subversion, grâce à la psychologie, grâce à tout un tas d'outils un petit peu plus ou moins ésotériques, d'ailleurs. L'économie en fait largement partie, c'est-à-dire un peu la manie des sanctions, hein, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec des résultats, on peut le constater, qui sont médiocres sur la capacité à altérer la volonté d'un adversaire. Je ne vais même pas parler de la situation actuelle avec la Russie. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que les sanctions prises contre l'Irak après la guerre du Golfe de 1991, elles n'ont pas altéré la volonté de Saddam Hussein. Il a quitté le pouvoir quand les Américains sont venus le chercher dans Bagdad. Et au final, cette idée qui serait
qu'il serait possible, il y a un deuxième aspect sur lequel je vais revenir juste après, mais d'abord cette idée que quand on a un adversaire et qu'il met sa volonté contre la nôtre, on va pouvoir échapper à l'épreuve de force, me semble être une illusion. Sinon, ça veut dire qu'on trouve un accord et donc on est dans le domaine de la diplomatie. Et donc, on revient dans le commerce, finalement. La deuxième chose, c'est que cette idée selon laquelle, le non-militaire serait mêlé au militaire et qu'il prendrait potentiellement, alors comme effectivement le développe Dimitri Minik sur la pensée russe, prendrait le pas sur l'épreuve de force, c'est confondre ce qui est du domaine de la stratégie et ce qui n'en est pas. La stratégie, et dans le livre, j'insiste lourdement, et on y revient à plusieurs reprises sur le fait que la stratégie, c'est employer les combats favorablement à la guerre. Et la guerre, c'est violent. Sinon, ce n'est pas une guerre. C'est une compétition, on peut appeler ça comme on veut, mais ça n'est pas une guerre. Et avoir fait comme on l'a fait de la stratégie, grosso modo, c'est dès qu'on a un but et un plan, ça s'appelle une stratégie. C'est pas ça la stratégie. La stratégie, c'est employer les combats favorablement à la guerre dans un contexte antagoniste, avec un adversaire qui s'oppose à ce qu'on veut faire. Et donc le seul moyen de passer outre cette opposition, c'est d'employer la force. Il n'y a pas d'autre solution. Et d'ailleurs, le cas de l'Ukraine est intéressant. Enfin, je veux dire, il y a eu une cyberguerre, elle continue d'ailleurs. Il y a une guerre économique, si on veut appeler ça comme ça. Il y a des sanctions, il y a tout ça. Bon, est-ce que c'est ça qui aujourd'hui est décisif? Non, ce qui est décisif, c'est ce qui se passe en Ukraine, dans les combats, dans les opérations militaires, parce que c'est une guerre. Avec la Chine, aujourd'hui, l'épreuve de force n'est pas engagée et c'est peut-être d'autres facteurs qui jouent parce qu'on est dans une logique de diplomatie. Mais finalement, ce serait dangereux, je pense, de croire que ça se joue à côté. Après, est-ce qu'il y a une compétition économique entre les grandes puissances et les puissances plus petites? Oui, évidemment. Est-ce qu'elle se joue à couteau tiré? Bien sûr, mais ce n'est pas une guerre. Personne n'a encore fait une guerre parce qu'il a perdu un contrat. Enfin, je veux dire, autre question? Merci pour votre intervention. Merci pour votre intervention. J'ai juste une petite question sur est-ce que de tout ce que vous nous avez démontré de l'histoire et de l'évolution et aussi de la compréhension à l'étranger de l'art opératique, la question s'est posée en termes de guerre civile, en fait, de guerre contre ce qu'on pourrait presque qualifier historiquement de son propre camp, parce qu'en fait, énormément de conflits modernes passent par cette phase-là aussi. Est-ce que c'est des questions... Je vous entends mal. Vraiment que je colle à ma bouche. Excusez-moi. Je posais juste la question rapidement. Est-ce que dans la manière dont a été comprise, des fois même avec méprise, l'art opératique à travers le temps et dans ses évolutions, la question de la guerre civile ou des guerres civiles a pu être posée? De guerre historiquement contre son propre camp, contre des ennemis de sa propre culture, et surtout avec des intérêts politiques divergents, mais de son propre peuple. Parce qu'en fait, beaucoup de conflits aujourd'hui prennent la nature aussi des guerres civiles. Voilà, je vous remercie. À mon avis, ça ne change rien, que la guerre soit étrangère ou qu'elle soit civile, du point de vue des opérations et de la stratégie. Ça leur donne juste... un aspect très souvent offensif des deux côtés. La guerre civile russe fait partie des éléments qui ont formaté la pensée de Zhechin. Zhechin est l'homme qui est arrivé à ce moment de l'histoire et de la géographie très particulier, où il pouvait faire la synthèse des apports tactiques et logistiques gigantesques de la Première Guerre mondiale, puisqu'il l'a faite, et en même temps... Il a participé à cette énorme guerre civile russe qui a duré 5 ans et dont il a été un des acteurs importants. Il a rencontré tous les grands acteurs, hein, Tukhachevski, Mukher, tous les hommes. Et il a observé de très près certaines opérations menées notamment par Tukhachevski, sur lesquelles il a écrit un certain nombre
d'articles, et il l'a traité comme une guerre étrangère. Je lui reconnais juste un caractère inexpiable, et dit-il, cette volonté qu'ont les deux adversaires de s'emparer sans arrêt du territoire de l'autre. Il ne saurait y avoir de défensive dans ce type de guerre. C'est beaucoup plus difficile pour lui. Chacun va chercher à imposer de façon totale, sans compromis. Il n'y a pas de compromis possible. Pour lui, c'est la grande différence entre une guerre étrangère et une guerre civile. Mais du point de vue de l'art opératif, je pense que c'est parfaitement neutre. Oui, c'est complètement neutre. Le problème se pose dans les guerres civiles. Il se pose moins sur la question des opérations, parce que je dirais que la forme des opérations dépend essentiellement des capacités, en réalité, des belligérants. Vous avez des guerres civiles, si on prend la guerre civile irakienne ou syrienne, on voit bien que ça commence comme une guérilla et puis ça se termine en bataille rangée. La guerre civile américaine, la guerre de sécession, est une guerre tout à fait conventionnelle du point de vue des moyens qui sont engagés, mais tout ça dépend des capacités des belligérants. À l'inverse, la guerre d'Algérie, par exemple, qui n'est pas vraiment une guerre civile, mais qui peut en prendre certains aspects, eh bien, on reste dans le domaine de la guérilla parce que jamais le FLN n'aura les capacités d'aligner des divisions blindées pour s'emparer d'Alger ou d'Oran. Donc voilà, ça c'est la question des capacités. On voit bien que la plupart des guerres civiles, la guerre du Vietnam est aussi une guerre civile, passent de l'un à l'autre et puis il y a des allers-retours comme ça. Et là, ça c'est la théorie maoïste de la guerre révolutionnaire finalement, où il décrit bien cette question de tout dépend des capacités. Par contre, ce qui change, et là où le problème peut se poser, c'est que les guerres civiles peuvent poser un problème dans l'ordre de la stratégie par la négation politique de l'adversaire. C'est effectivement ce maximalisme politique où, en fait, comme l'objectif n'est pas de parvenir à une négociation de paix, ou pas, en tout cas, c'est jamais comme ça qu'on veut l'afficher, l'objectif, c'est de détruire politiquement l'adversaire. Donc, en fait, on est, voire de nier que c'est lui le problème. Et là, je donne un exemple contemporain, qui est celui de la contre-insurrection, qui sont aussi souvent des guerres civiles, même si c'est avec l'ajout de... Voilà, mais après, une guerre civile est aussi une guerre internationale. Il n'y a quasiment aucun cas de guerre civile sans ingérence étrangère. La guerre civile russe, il y a des ingérences occidentales. La guerre civile américaine se pose tout du long la question d'une intervention éventuelle de la France et de la Grande-Bretagne, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y a cette tentative de contourner la question de l'adversaire comme alter ego politique, finalement, celui avec lequel on fait la guerre, mais aussi celui avec lequel il va falloir faire la paix un jour, et d'essayer de vaincre sans en passer par la reconnaissance de cette dialectique politique. Et on va avoir, c'est typiquement ce qui va se passer dans les contre-insurrections contemporaines, on va essayer de traiter le problème de la société, mais pas le problème de l'adversaire politique qu'on a, c'est-à-dire de faire du travail social, mais pas de faire un travail politique. Et ça pose ensuite un problème sur la façon dont on va concevoir les opérations. Mais on est dans l'ordre de la stratégie et des choix politiques qui sont faits de reconnaître à l'autre ou pas un statut d'adversaire. Très souvent, dans les guerres civiles, le camp gouvernemental, par exemple, traite l'adversaire de criminel ou de bandit. Et le camp rebelle, entre guillemets, ou l'autre camp, va considérer que le gouvernement n'est pas légitime. Donc finalement, il n'a pas non plus de légitimité politique. Tant qu'on ne reconnaît pas à l'autre la légitimité de sa politique et la légitimité de ses buts, on peut difficilement rentrer dans une véritable dialectique stratégique. Et généralement, on arrive à des guerres qui s'éternisent parce qu'on n'arrive pas à faire la paix. Bonsoir, merci pour l'intervention. Plus près, s'il vous plaît, le micro. Qui permet bien l'articulation des différents concepts. Moi, j'avais une question pour Ken. Le micro marche mal. Vous m'entendez mieux ? Ouais. Ouais, je pense être mieux. J'avais une question en fait par rapport à ce que vous disiez au tout début entre au niveau de l'erreur d'interprétation qu'auraient fait les Américains, l'art opératif, et en le considérant plus en termes de pragmatique, en termes d'application sur le terrain, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi dû à un problème entre l'articulation au niveau politique chez eux et l'armée, indépendamment de l'organisation, entre ce qui peut être la garde nationale et puis l'armée régulière, enfin l'armée, l'US Army. Est-ce qu'il n'y a pas aussi avant tout un problème de but de guerre? Par exemple, quand ils vont en Corée, ils y vont pour défendre la Corée du Sud, ils vont sur la bannière de l'ONU, mais à partir du moment où ils commencent à battre les Nord-Coréens, ils passent à la frontière, ils se disent pourquoi on n'irait pas plus haut, ils vont jusqu'à la frontière chinoise, et puis derrière, ils se prennent un sacré revers en face de l'armée chinoise. Au Vietnam, pareil,
ils utilisent quasiment pour ramener les Vietnamiens à la table des négociations. Quasiment en Afghanistan, ils ont fait la même erreur quasiment que les Russes, sauf que ça a duré un peu plus longtemps et puis ça a peut-être été un peu différent, amené de manière différente. Mais est-ce que l'articulation entre les buts de guerre qui sont définis par le politique et l'utilisation en fait de l'outil américain, l'outil militaire, n'est pas à l'origine en fait de ce problème d'interprétation avec l'art opératif? Et est-ce que leur pensée a évolué depuis je ne sais pas, plus de 10 ans de guerre en Afghanistan et l'histoire de ces conflits-là, est-ce que leur pensée a évolué ou pas du tout? Merci. On pourrait aborder chaque cas séparément. La Corée crée une grave crise politique entre MacArthur, qui commande sur le théâtre d'opération, et Truman, qui va aboutir à ce que le politique rappelle que c'est lui le patron et limoge MacArthur. Qui a un peu trop pris l'habitude de se comporter en proconsul et de faire et le commandement des opérations et les objectifs politiques. Mais justement, le cas MacArthur est assez isolé en réalité dans l'histoire américaine récente. La norme, c'est plutôt cette séparation, et c'est le problème vient vraiment de là, c'est-à-dire que le politique a des buts qui sont pas forcément, mais qui très souvent sont formulés par rapport à des postures de politique intérieure, et pas forcément par rapport à des... En tout cas, pas uniquement par rapport à des objectifs de politique étrangère. Et ensuite, il y a une tendance naturelle de la conduite politique de la guerre aux États-Unis à évoluer vers la reddition sans condition de l'adversaire, c'est-à-dire vers une logique d'anéantissement politique. Mais on revient à cette question de guerre civile. Finalement, c'est un petit peu la même logique qui est à l'œuvre. Qui fait que les Américains ont un problème avec le concept de guerre limitée. La guerre à but limité, c'est quelque chose qui est très compliqué, pour eux, parce que ça met en porte-à-faux quelque chose sur lequel on revient assez longuement dans le livre, et c'est un détour qui peut sembler surprenant, parce qu'on fait un détour par la culture politique américaine. Mais les États-Unis se pensent, se pensaient et se vivaient, aujourd'hui c'est peut-être un petit peu différent, mais pendant très longtemps, et c'est le mythe américain, c'est le mythe d'une société sans conflit. Une société sans conflit intérieur, d'abord. Vous avez encore aujourd'hui très souvent les Américains qui disent « Non, nous sommes une société sans classe. Les classes sociales, c'est un truc d'Européens. Chez nous, il n'y a que des individus libres, etc. etc. » Donc ça, c'est un mythe politique très puissant, mais qui a des conséquences sur la conduite de la guerre, où en fait, dans le fonctionnement américain, l'adversaire n'est pas un alter ego politique avec lequel il va s'agir de trouver un modus vivendi, mais c'est un trouble fait, c'est quelqu'un qui vient perturber la paix universelle et donc qu'il faut éliminer finalement. La notion de police internationale s'impose très facilement aux États-Unis, mais dès les années 30. Et donc ce problème-là fait que les Américains vont arriver à une doctrine de guerre limitée par la force des circonstances pendant la guerre froide, parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement parce que l'arme nucléaire interdit toute autre option qu'une guerre limitée. Et c'est le cas de la Corée, justement, que vous citiez, qui est le moment décisif où ils comprennent qu'en fait, on ne peut pas aller à l'affrontement total, il va falloir limiter ses buts. Et dès que cette logique de guerre froide s'arrête, ils reviennent à ce qui est en fait, c'est chasser le naturel, ils reviennent au galop. Le moment unipolaire américain est le moment où les buts sont redéfinis de manière complètement maximaliste. Et c'est tout le problème de ce qui se passe avec la Chine aujourd'hui, me semble-t-il, qui est que voilà à nouveau émergeant une puissance qui contraint à la limitation des buts et à l'acceptation que, il n'y aura pas qu'un modèle, peut-être il va y en avoir plusieurs, il va falloir évoluer dans cette sphère-là. Et ça, c'est très compliqué pour eux. Et en fait, c'est avant même la question du modèle militaire, c'est cette question de la conception politique de la guerre qui est en problème chez eux. Isolation ou domination? C'est un peu ça. Ouais. C'est une bonne façon de le résumer. Bonsoir messieurs. Lieutenant Colonel Leray, de l'Armée de l'air et de l'espace, actuellement stagiaire à l'école de guerre. Alors j'avais une question à vous poser, mais a priori vous avez déjà commencé en tout cas à entamer la réponse. C'est dans votre ouvrage, vous présentez justement la guerre du Golfe de 91 comme un exemple réussi d'usage de l'art opératif, a priori fortuit. Et ma question était la suivante,
quelles étaient les raisons, selon vous, pour lesquelles l'établissement militaire américain n'a pas su capitaliser sur cette victoire éclatante pour justement essayer de conceptualiser l'art opératif, et au contraire, ils se sont dirigés vers, a priori, plus quelque chose qui est la négation politique de l'adversaire et des théories plus douaisiennes. En fait, ce qui se joue en 91, c'est la rencontre d'une doctrine tactique mature avec une conduite politique qui consciemment prend le parti d'une guerre à but limité. Et c'est ce qui va faire le succès de 91. Le problème, c'est qu'une fois que cet alignement de planètes finalement va avoir eu lieu, les planètes vont recommencer à diverger pour des raisons partiellement circonstancielles. C'est l'élection présidentielle qui voit arriver l'équipe Clinton, qui est complètement inexpérimentée en politique internationale et qui est essentiellement composée de gens qui pensent les relations internationales de manière morale et qui remplacent les Cold Warriors de l'équipe Bush-père, dans laquelle il y avait déjà des tensions, hein, ceci dit. Cette idée que... Donc l'idée très rapidement s'impose politiquement que le travail n'est pas fait, the job is not done. Donc en fait, Saddam Hussein est toujours au pouvoir. Donc finalement, c'est comme si on avait laissé Hitler au pouvoir après 45, etc. Donc on revient à ce problème politique sur lequel je suis déjà revenu précédemment. Donc j'y reviens pas. Et puis côté militaire, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce de phénomène où... les militaires américains vont être un peu enivrés par l'efficacité que semble avoir démontré la guerre du Golfe. Et ils vont rentrer dans un processus d'optimisation de tous les aspects techniques. Et donc, ils vont confondre la doctrine, Airland Battle, avec la théorie générale, qui serait l'art opératif. Exactement de la même, enfin, sur des bases qui sont finalement assez semblables à ce qui s'était passé dans les années 30, où Tukhachevski avait confondu l'aspect technologique, si je puis dire, et maximaliste de l'opération dans la profondeur avec ce que proposait Ziechin. Le divorce, en fait, les torts sont partagés d'une certaine manière, c'est-à-dire que les militaires vont se replier dans ce domaine techno-tactique qui est leur zone de confort finalement, et côté raisonner à l'allemande, c'est-à-dire penser que l'opération prépare la bataille décisive et que la bataille de la bataille décisive naît la victoire, ce qui est une interprétation qui va pouvoir être tirée de 91, alors que c'est pas ça qui s'est passé. Et côté politique, il y a aussi un phénomène d'enivrement, mais là c'est la conjonction de la puissance et l'efficacité militaire combiné à la disparition de l'Union soviétique qui d'un seul coup semble ouvrir des perspectives pour refaçonner le monde à l'image de l'Amérique. Et c'est la combinaison de cette hubris politique avec cette illusion de l'efficacité militaire qui va faire que ce moment de la guerre du Golfe ne sera pas pérenne en fait. Juste quand même, effectivement, l'opération de Norman Schwarzkopf en 90-91 était remarquable, mais je voudrais insister sur ce qui, à mon avis, est encore plus remarquable, c'était l'analyse du président Bush et de ses conseillers, qui consistait à dire, certes, du point de vue moral, Saddam Hussein est un affreux tyran, mais néanmoins, il y a une situation géopolitique avec un Iran de plus en plus important au niveau régional, une Arabie saoudite qui a montré sa faiblesse, et un Koweït occupé, il y a une situation politique très particulière qui va amener le président Bush à donner des consignes politiques que je trouve extraordinairement claires et précises pour une fois, à savoir le travail de l'armée américaine, de la coalition, c'est de libérer le Koweït, de battre les armées de Saddam, mais de ne pas les détruire, c'est-à-dire de ne pas entraîner la disparition du régime de Saddam. C'est un Saddam diminué, mais un Saddam que l'on veut conserver au pouvoir à Bagdad parce que l'on ne veut pas provoquer ce qui s'est passé après, c'est-à-dire un éclatement de l'entité irakienne, une disparition de cet État. Donc là, je trouve qu'effectivement, on a presque un art opératif dans cette façon, ce crochet du gauche, cette fixation, tout ça, du point de vue technique, c'est magnifique, mais au départ, pour moi, le plus important, c'est la définition du but politique tel que l'équipe Bush l'a donné et qui contraste si fort avec celle de son fils,
qui, lui, n'a pas trouvé autre chose qu'à dire « ils ont voulu tuer mon papa ». Et mettre en avant sans erreur la morale, et lorsque l'argument moral ne suffisait pas, inventer de fausses preuves. Donc là, j'ai vraiment trouvé, pour moi, j'ai trouvé là la politique américaine à son plus haut niveau. Elle n'est pas revenue depuis cette époque-là à ce niveau clausewitzien et kissingerien, presque, oui. parce qu'il y a quand même un petit peu de cynisme derrière tout ça. Je vous remercie. Alors, déjà, merci beaucoup pour ce moment passionnant. Pour conclure, si c'est un petit peu possible, je terminerai en trois points. Je dirais qu'à la fois, cet entretien donne envie de lire un livre qui est au croisement de trois choses, de l'histoire militaire et de l'histoire des idées, avec, et je pense que c'est montré à chaque fois, sans faire de la publicité dans Guerre et Histoire, c'est à quel point le fait militaire est un fait total. Un fait social, un fait politique, un fait économique, et quelque part, en lisant le livre, autour de quelque chose qui paraît un petit peu abscon, l'art opératif, vous nous montrez bien que, au contraire, tout cela, finalement, peut être éclairci avec un grand sens de la pédagogie. La deuxième chose, c'est, et tu le rappelais, Jean, mais aussi toi, Benoît, c'est à quel point la compréhension à nouveau du lien au politique est essentielle, et notamment de bien comprendre les buts de guerre. Pas savoir simplement où, ni même pourquoi, mais le comment et la fin, littéralement la direction, effectivement, la conduite de la guerre, la conduite des opérations. Et bien évidemment, cette articulation, ce harnachement, comme vous disiez, entre la stratégie, finalement, et puis la bataille. Enfin, c'est quelque chose que je retiens, c'est à quel point, vous êtes ici aussi à l'école militaire, une école où on forme l'intelligence des chefs, la question de la formation, la question de l'intelligence, de la capacité à comprendre, justement, de manière fine, et puis derrière, de comprendre pour mener, c'est un point, à mon avis, qui est essentiel. C'est aussi une occasion, ce soir, de compléter un petit peu le débat avec, on propose maintenant une séance de dédicaces pour ceux qui sont intéressés. Et puis, c'est une façon aussi de clore pour cette année 2022-2023 ces débats stratégiques en vous donnant d'ores et déjà rendez-vous à la rentrée avec, je pense, une actualité littéraire, historique, historiographique, politique, économique et culturelle, suffisamment riche pour animer à peu près 6 à 8 mois de débat. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Merci. On peut passer à la séance dédicace. C'est parti. Merci encore, Général. Non, merci. Ça, c'est frappant, ça. C'est vraiment...